C'est les planches à voile qui partent en premier ce matin. Moi, en tant que bénévole, je m'occupe des dotations pour les bénévoles. Préparer les t-shirts, les tickets boissons. Ensuite, je m'occupe aussi des paniers repas. Leur donner les paniers repas pour déjeuner et tout. Et ensuite, je m'occupe de l'émargement. Bonne journée. Au revoir. On est bénévole, mais on le fait très volontiers pour le club. On vient pour faire plaisir, pour se faire plaisir. Voilà, c'est super. Ça me plaît parce que justement, on rencontre plein de gens, on rencontre tous ces jeunes. Et puis la compétition, c'est bien. Et puis moi, je suis une voileuse. Hein. J'ai un bateau à voile. Hein. Toute la gestion de la course, hein, ça veut dire donner les départs dans une bonne orientation par rapport au vent pour que la course soit équilibrée, mouiller les parcours, c'est-à-dire les bouées, et également un rôle de sécurité, c'est-à-dire que les planches soient en sécurité et qu'il n'y ait pas de soucis de bateaux qui traversent. Voilà. Le vrai plaisir, c'est d'avoir un ensemble de bénévoles qui travaillent avec moi, une équipe qui donne leur maximum pour que les coureurs se sentent bien et aient des belles courses. C'est ça qui me plaît, c'est la gestion de l'équipe et le plaisir qu'on a à faire des belles courses tous ensemble. L'heure de départ de la course 5 des SM16. En fait, on est commissaire aux résultats pour la Fédération Française de Voile. On va rentrer, bien sûr, de l'ordre d'arrivée tous les coureurs. Et puis après, on va gérer les petits problèmes. Les bateaux qui ont été oubliés, dont le numéro n'était pas très lisible sur le plan d'eau, ne sont pas les bons. Donc on va gérer ce genre de choses. Ah, c'est super agréable. Moi, j'y trouve, c'est ma bouffée d'oxygène. En fait, c'est pour ça. Et alors maintenant, je suis à la retraite. Donc je prends encore plus de plaisir parce que je fais de plus en plus d'épreuves. C'est le plaisir des rencontres. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai un gros problème. Je ne peux pas aller sur l'eau, je suis malade sur l'eau. Donc la seule solution que j'ai trouvée pour me rapprocher de la mer, c'est de faire les classements.